Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Veto du mois. Chez Vet Masterclass, nous avons à cœur de vous accompagner dans votre quotidien de vétérinaire, mais aussi de manager ou simplement de vous faire découvrir de nouvelles inspirations. Le Veto du mois est pour nous un moment partagé avec des vétérinaires emblématiques de la profession. Un moment pour essayer de décrypter ensemble le parcours d'un invité, sa vision de la profession, des anecdotes, des conseils ou encore des difficultés rencontrées. Bref, partagez le temps d'une interview, l'expérience de vétérinaires inspirants, des rencontres conviviales, comme si nous étions dans votre salon au coin du feu. Aujourd'hui, nous allons bien à la rencontre d'un passionné, mais pas d'un vétérinaire cette fois-ci. Nous nous rendons au Mans pour découvrir le parcours de notre maréchal du mois, Antoine Corona. En perpétuelle recherche de solutions de maréchalerie adaptées, il est aujourd'hui une référence en termes de suivi du cheval et d'innovation. Une des clés de sa réussite est son étroite collaboration avec les vétérinaires. On vous laisse découvrir son parcours aux multiples casquettes de chef d'entreprise au service du cheval. Olivier Geffroy vous emmène dès maintenant à la rencontre d'Antoine Corona. Bon, alors j'ai l'impression que notre veto du mois est un maréchal. Ouais. Antoine, tu es notre invité ce mois-ci, je suis ravi de t'accueillir chez toi. Bonjour Olivier, merci. Et donc, je ne sais pas s'il faut te présenter, tu es un maréchal ferrant extrêmement connu des vétérinaires et de la profession. En même temps, tu es un homme multicasquette, tu as fondé une entreprise qui fabrique et vend des fers en aluminium. Tu as aussi une autre société qui s'appelle Hypotypose qui propose des solutions pour faire le suivi de l'orthopédie des chevaux au quotidien. Aujourd'hui, tu te sens plus maréchal ou plus entrepreneur ? Je sens un petit peu les deux. J'ai toujours été maréchal, donc l'ADN de base, c'est la maréchalerie. Et l'entrepreneuriat, ça vient au fur et à mesure, je pense. Et ça devient d'où cette attraction pour l'entrepreneuriat ? Je pense que ça se fabrique avec le temps. Je pense que ça vient au fur et à mesure. Je pense que ça se construit gentiment. Parce que tu as quand même un goût globalement pour l'innovation, tu as une curiosité quand même vis-à-vis de... Ouais, je pense que la curiosité, c'est l'aspect attractif. Je pense qu'il faut que dans la tête, ça reste attractif. Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête à moi, c'est comme ça. Il faut que ce soit attractif. Au moment où ça ne l'est plus... C'est plus compliqué au niveau de la motivation. Parce que je sais qu'une fois, tu avais rencontré mon fils sur un salon à Paris. C'était peut-être un salon d'innovation, quelque chose comme ça. C'était, ouais, c'était un salon de la tech super... Un peu improbable. Ouais, c'est ça. C'était une rencontre un peu fortuite comme ça. Mais oui, c'était sympa parce que on se connaissait du milieu du cheval, mais on n'était pas du tout dans le même milieu. Et effectivement, c'était en rapport avec Hypotypose, tout ce qui était numérique. C'était très intéressant, et puis ces journées de salon, notamment sur la tech, ça ouvre vraiment à plein de milieux différents. Donc cet aspect ouverture d'esprit, ça c'est important, je pense. Et au quotidien, c'est de rencontrer ces gens qui ont des métiers quand même souvent très différents du tien, c'est de l'inspiration, c'est du plaisir, c'est un peu de la récréation, c'est comment tu vois ça? Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu... Je pense qu'on peut se ressourcer aussi sur les choses nouvelles. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot est juste, mais je trouve qu'il faut... Encore une fois, c'est une histoire de motivation. Et quand c'est un peu nouveau comme ça, c'est très motivant. En tout cas, le fait de ça éveille la curiosité, quoi. Et puis après, un départ de réflexion sur des idées qui peuvent s'en mêler. Puis après, à la fin, il en sort des fois de quelque chose. Mais bonne ou bonne. Donc le premier métier, c'est maréchal ferrant. Donc ça veut dire qu'avant, il y a le cheval. Alors comment le petit Antoine, il est venu au cheval? Alors comment il est venu au cheval? Parce qu'il avait un papa qui montait à cheval, qui faisait du concours complet. Il me venait, je le voyais revenir de temps en temps avec un four, un truc, une coupe, le dimanche soir. Et puis après, très rapidement, je suis mis à monter à cheval. J'ai eu l'occasion de monter tout gamin chez des gens de complet, chez Pierre de France. À cette époque-là, il était à Marigny-les-Usages, donc ça remonte un peu. Karim était tout jeune. Donc, j'avais déjà croisé Karim à ce moment-là. Mais voilà, c'est mes premiers pas à cheval étaient à cet endroit-là.
beaucoup avec mon père. Et puis je montais à cheval beaucoup, je sortais les chevaux en fin de journée. Je faisais beaucoup de sorties à l'extérieur. Et la compétition, c'est quelque chose que tu aimais bien? Alors j'aimais bien, j'étais super stressé. Je suis pas un tempérament assez timide finalement. Et en plus, comme j'ai arrêté de monter à cheval assez jeune, j'ai fait de la compétition sur des combinés à cette époque-là. On n'était pas obligé d'avoir le deuxième degré pour pouvoir faire des combinés. Je faisais ça, je faisais des petites compètes, un entraînement, des choses comme ça. Ça j'aimais bien, mais c'était une forme de stress importante. J'aimais bien ça. J'aimais bien. Et finalement, le fait de vouloir travailler dans le cheval et donc devenir maréchal ferrant, c'était vraiment parce que t'étais passionné ou parce que c'est une affaire d'opportunité ou comment ça s'est dessiné? Bon, ben, y a un petit peu les deux. La réalité, c'est que j'étais quand même pas très bon à l'école. Bon, faut regarder les choses en face. Apparemment, je devais pas être très adapté. Et puis, donc à 15 ans, je suis sorti du cursus normal, on va dire. Sans rentrer dans le détail. Classique, donc, classique, voilà. J'ai pas réussi à... J'ai un papa qui voulait pas que je fasse un apprentissage direct en France. Il voulait pas que j'aille sous les chevaux à l'âge de 14 ans, parce que je suis sorti à 14 ans. Exactement. Et donc j'ai été faire une école en Belgique. J'ai été faire l'école de Bruxelles, l'école de maréchalerie d'Anderlecht, où j'ai fait un an et demi de pure école, un an de pure école, et puis après, avec de l'alternance chez les maréchaux, une fois que j'avais avancé un peu plus. Et donc, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait un petit côté par défaut. Et puis après, j'ai switché sur des journées qui étaient super plaisantes et où je m'épanouissais vraiment, je me suis rendu compte que c'était un métier qui me plaisait vraiment. J'ai vraiment été passionné de ce métier dès le départ. C'était un flash, quoi. Parce que 14 ans, c'est jeune hein, pour choisir un métier. Ouais, justement, je pense qu'on ne le choisit pas vraiment. On le subit plus qu'on ne le choisit, et on apprend à le choisir au fur et à mesure. Et puis quand on arrive à s'épanouir dedans, qu'on progresse et qu'on avance, même en tant qu'adolescent et même en tant que jeune adulte, c'est là qu'on comprend ou pas si le métier est vraiment fait pour nous, s'il nous colle à la peau ou pas, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu comme ça, après. Et donc, et tu te souviens, voilà, jeune adolescent, tu faisais de la compète, tu montais à cheval, tu te souviens du regard que tu portais sur le maréchal ferrant à cette époque-là? J'ai tout de suite compris que c'était un métier assez dur. C'était physique. Et j'aimais bien la relation travail de la main, cheval, milieu du cheval, le soin à l'animal, tout ça, ça me plaisait bien. Mmh. Et le travail de la matière m'a vite plu. Quand je suis rentré en apprentissage, je suis rentré d'abord par rapport à l'amour du cheval, à la passion du cheval. C'est le premier moteur. Et puis le second, ça s'est vite transformé en amour du métier à travers la matière, le feu, l'acier, les montées en température, les molécules, la façon de bouger les molécules de la ferraille. Donc, on peut faire de l'acier quand on le manie bien. Et de s'apercevoir que c'est très très long à apprendre ce type de métier, donc c'est très prenant. Ouais. Et qu'est-ce que tu gardes de tes premiers maîtres ou de tes premiers employeurs, des gens qui t'ont appris le métier? Alors moi, la particularité, c'est 14 ans. Ça veut dire que les premières personnes avec qui j'ai travaillé, j'avais 16 ans. J'ai fait un petit tour chez les compagnons, j'ai fait à droite à gauche, quoi. Et ce que je garde, c'est que c'est des gens qui m'ont aidé dans ma vie d'homme après. C'est-à-dire qu'ils m'ont inculqué, ils m'ont appris un travail, ils m'ont appris des méthodes, mais ils m'ont beaucoup appris en tant qu'homme, quoi. Comme je suis parti jeune de chez moi, c'est des gens qui ont été très importants pour moi là-dessus. Donc maintenant encore, je m'en souviens. Je garde ces choses-là en tête. C'était mélangé au métier. C'est-à-dire le métier fait partie de ma vie, quoi. Enfin. C'est des gens qui c'était des maîtres dans le métier, mais pas que. C'était aussi des exemples en tant qu'homme, on va dire. Ouais, même d'un point de vue, sans aller trop loin, mais disons que d'un point de vue, sans aller dans l'aspect spirituel du truc, mais il y avait des échanges humains, il y avait un rapport humain entre l'homme, le formateur et l'apprentissage qui était super intéressant. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu, ça. Ouais, c'est chouette, ça. Et donc après, alors ton premier employeur, tu t'es dit, ça y est, je suis maréchal ferrant. C'était où, c'était comment? Alors, pour être juste, j'ai un,
un collègue qui est rentré en même temps, même promotion que moi à l'école, qui est sorti avant moi. De grande promotion, on est rentré grand nombre et on est sorti peu quand même. Et c'est ce gars-là qui m'a aidé à travailler en sortant d'école. C'est Ludovic Mathieu, dans l'est de la France. Un bon point de repère, c'est non seulement un ami, un copain, mais c'est maintenant c'est quelqu'un que j'aime beaucoup hein, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et ce gars-là m'a beaucoup beaucoup aidé dans l'approche du métier. Et, donc ça, c'est les grands apprentissages, c'est Ludovic qui m'a apporté beaucoup de choses. Ouais. À travers la forge, l'effort, l'aspect de la réflexion par rapport au métier, par rapport au cheval. Bon. M'a apporté beaucoup de choses. Donc, tu es resté combien de temps chez lui? Pas très longtemps. Enfin, on a travaillé longtemps ensemble, mais alors ça, c'était un peu parcellé parce que il s'avère qu'après moi, j'ai fait mon armée, j'ai fait un an à Cotquidan, dans une unité de service. Donc, je suis retrouvé maréchal ferrant avec un lieutenant Navarro qui était là-bas, où j'ai servi à l'école de Colette. Donc, ça, c'était sympa. C'était une bonne expérience aussi de maréchal professionnel. Un peu différente, mais c'était bien, je trouve, de. C'était une bonne expérience. Et après, j'ai eu la chance, l'énorme chance de croiser Denis Leveillard, avec qui ouais, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment la personne qui m'a vraiment bien, bien aidé. Enfin, plus qu'aidé, quoi. Il m'a formé sur beaucoup de choses. Et j'ai eu ouais, l'opportunité de revenir. Alors, moi, j'ai eu un format un peu différent. Je me suis installé très, très tôt. J'avais 19 ans. Je me suis installé artisan à 19 ans. Et j'allais à droite à gauche. Je faisais de la presta, en gros. Voilà. Je faisais mon propre tour de France. Et alors j'ai eu la chance d'aller partout, sud, Grenoble, Cagnes-sur-Mer. Secteur où j'ai pas trop été en France, c'est le sud-ouest. Mais sinon, Bretagne. Bon, Denis était dans les Yvelines. Et puis j'allais faire avec Denis toutes les. Je revenais assez souvent. Ouais. Donc c'est quelqu'un ça qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et dans l'approche du cheval et. Ouais, voilà, c'est le deuxième. Il y a deux personnes qui m'ont marqué dans le métier, c'est ces deux personnes-là. Donc, oui, Denis, qui, avec une amitié professionnelle qui dure encore aujourd'hui. Ouais, c'est quelqu'un d'important, je pense. Enfin, après, je pense que c'est bon pour tout le monde, mais ouais, Denis, c'est un vrai point de référence, même pour les jeunes actuels. On parle de gens qui ont de la connaissance, des fois on rigole, les encyclopédies, tout ça. Bah, Denis me fait penser à ça, quoi. Il a eu l'expérience technique, on a fait de la compétition ensemble, on était en équipe de France de maréchalerie pendant des années ensemble. Et on a voyagé beaucoup ensemble, mais avec le but d'essayer toujours de faire du bon niveau, sans être forcément dans l'excellence, parce que c'est un mot qui est un petit peu présomptueux, mais disons que l'idée c'était ça, quoi. C'était de faire du beau travail, des belles choses, et faire du sport aux chevaux, quoi. Parce que à la base, c'est quand même notre métier, quoi. Et alors, donc finalement, comment tu t'es retrouvé? Parce que toi, tu as suivi, ferré beaucoup d'athlètes de très haut niveau Ouais. Plutôt dans les disciplines de sport que du côté course. Arrête-moi si je me trompe. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc comment t'en es venu à cette pratique un petit peu pointue, un peu Bah, je pense que c'est un peu initié déjà par les gens qu'on croise, comme ces personnes qu'on vient de citer. Denis, encore plus que les autres, je trouve. Parce qu'à cette époque-là, moi, j'ai eu la chance d'aller faire avec lui. Et à cette époque-là, il ferait quand même. Il avait une clientèle avec de très bons chevaux, très bonne clientèle, des chevaux de haut niveau. Et puis surtout, il avait une éthique de son métier qui était très particulière, qui était assez poussée, quoi. Donc cet aspect-là me plaisait bien. Et c'est vrai que l'aspect un petit peu expert dans son domaine, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, même gamin, moi. Quel que soit le métier, enfin, moi je m'étais dit, si je enfin, dans ma tête de gosse, je me disais, tiens, si jamais je fais quelque chose un jour, je le ferai jusqu'au bout de ce qu'on peut faire dans ce milieu-là, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais, quoi. Et après, bon, on n'est jamais arrivé au bout, mais disons que voilà, c'est. L'idée, c'était un peu ça, quoi. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de ferrer des chevaux qui sont des athlètes de haut niveau? Bah, c'est la remise en question. Là, ce que je vois de plus intéressant, c'est le fait que sur le haut niveau, on triche pas vraiment, quoi. C'est difficile de tricher. Bon, ça arrive, il y en a qui trichent,
Mais enfin, je veux dire, sur le suivi des chevaux de haut niveau, là, on a eu la chance d'avoir un peu une expérience avec les gens de l'endurance sur l'équipe de France, parce que je connais l'entraîneur. Et voilà. Et donc, tout de suite, on est en live. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on pense des choses, on les intellectualise ou pas d'ailleurs. On peut les appliquer, mais dès qu'on est à haut niveau, on les applique avec un coefficient multiplicateur. Et de ce fait-là, l'épiphénomène sur quelque chose de standard devient un truc beaucoup plus important à haut niveau. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus sur le haut niveau, c'est ça. C'est que ça va ressortir des choses Il y a un finalement. côté, on va dire, un niveau d'exigence Ouais, qui est... ça, ouais, ça je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et au-delà des chevaux, tu t'intéresses au sport de haut niveau, au parcours des athlètes, ou toutes ces choses-là ou... Ouais, j'aime bien le sport de haut niveau, je trouve ça chouette. Après, j'ai pas toujours le temps de moi-même faire du sport à côté. Bon, c'est un peu compliqué. On va dire que j'essaie de me bouger, mais disons que globalement, c'est pas si facile que ça. Je regarde ça de façon globale. Après, les athlètes, je connais le milieu du cheval, je sais qui sont les bons cavaliers. Voilà, je suis un peu les résultats, mais je suis pas arc-bouté tous les week-ends à regarder ce qui se passe. Je vis les choses comme elles viennent, quoi. Si j'ai la chance de côtoyer des bons cavaliers avec des bons chevaux, c'est une chance que j'ai eue dans ma carrière, c'est de côtoyer des très bons chevaux avec des bons cavaliers, des très bons cavaliers. Et voilà, c'est vrai que c'est un truc sympa. Mais après, je suis pas quelqu'un qui va tout le temps sur les réseaux regarder ce qui se passe et tout. Je ne fonctionne pas comme ça. Et parce qu'aujourd'hui, on va dire que tu es dans le milieu du cheval de selle, sans parler forcément du sport de haut niveau, quoi, tu es une référence, et puis tu t'investis aussi dans les formations. Toi-même, quel a été ton parcours de formation? Comment est-ce que tu es devenu l'Antoine Corona d'aujourd'hui qui est sollicité pour apprendre aux autres, pour, Encore une fois, je pense que c'est une construction, c'est du petit à petit, quoi. Je pense que là, c'est pareil, toutes les interventions qu'on a fait à l'étranger, on a de la demande là-dessus, par exemple, sur les formations à l'étranger ou des choses comme ça. Souvent, les gens qui nous demandent d'intervenir, c'est des gens qui nous ont croisés 20 ans avant. Par exemple, l'autre fois, j'étais à Dubaï, je croisais quelqu'un sur un salon qui m'a dit, ah, toi, je t'ai vu en Suède. Il y a 20 ans, j'ai venu faire du concours de maréchalerie avec Ludovic Mathieu. Ça, c'était. Vous, on l'avait un peu. Voilà, ça s'était bien passé, on va dire. Et le gars se souvenait de ça. Et lui, il se souvenait de l'image, Antoine ou Ludovic, de cette époque-là. Donc, il y a une certaine. Dans leur tête, il y a une validation, quoi. C'est-à-dire que si à un moment, ils cherchent quelque chose sur un sujet ou ils veulent exploiter un sujet. Ils ont vite fait de revenir sur les gens qu'ils connaissent. Et finalement, je pense que c'est ça qui fait que, au bout du compte, on se retrouve à être demandé à droite à gauche pour faire des interventions. Et l'une pousse l'autre, quoi. Après, je pense qu'il faut aussi être, entre guillemets, sérieux dans ce qu'on fait. Mais voilà, globalement, c'est ça, quoi. Oui, s'enrichir de chaque étape et puis. Ouais, je pense qu'il y a un peu ce cheminement-là, quand même, pas mal. D'accord. Et alors, aujourd'hui, on va dire, après toutes ces années de métier, puis les responsabilités diverses que tu as, c'est quoi ton rapport au cheval aujourd'hui? Quand j'ai le temps, j'aime bien me rapprocher des chevaux. Parce que je trouve que quand on est. Nous, on a une petite entreprise, mais on est 10 en tout sur les deux structures. Et je pense qu'après, le fonctionnement journalier nous écarte des chevaux, finalement. Mais c'est un peu dommage parce qu'à la base, on est là pour ça. Donc quand je peux m'en rapprocher, je m'en rapproche. Après, les chevaux qu'on reçoit, on reçoit beaucoup de chevaux ici qui viennent de l'extérieur, qui sont des cas référés. Après, on a toute une partie de clientèle qu'on suit à la régulière. Donc voilà, on essaie. J'essaie de pas perdre de vue mes chevaux, quoi. Voilà. J'essaie de pas perdre de vue mes chevaux. Parce que je pense que la maréchalerie, c'est un peu comme la cuisine. C'est qu'à un moment, si on veut être bon en cuisine, il faut quand même cuisiner, quoi. On peut pas faire que des bouquins. Et cet aspect-là, c'est un truc super important. C'est que la main. Et je pense que le rapport avec le cheval, c'est la même chose. L'intellectualité de la main, c'est ça, c'est la répétition des gestes. Mais l'observation des chevaux, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Olivier. On est bon à partir du moment où on observe des centaines et des milliers de fois. On n'est pas d'un seul coup, on sort pas du chapeau d'un seul coup, on est bon. Ça marche pas comme ça.
Et c'est bon pour tous les métiers, mais encore plus pour les nôtres qui sommes des... Enfin voilà, nous, on a des métiers où cet aspect qualitatif, il est lié au quantitatif. C'est-à-dire que pour bien continuer à ferrer, il faut quand même ferrer un peu. Parce que le cheval, on va dire, tu vois des chevaux ferrés, ils viennent chez toi, ouais. Ils ne sont pas dans leur environnement habituel, c'est pas le maréchal habituel. Donc je mets de côté évidemment les chevaux qui sont pas éduqués, enfin c'est tout un chapitre on va dire, peut-être très d'actualité aujourd'hui, mais c'est pas de ça que je parle. Toi, comment, t'as un peu une petite méthodologie pour établir le contact, essayer d'avoir une bonne relation, que ça se passe bien, ou tout ça c'est à l'instinct, ou c'est quelque chose auquel t'as réfléchi? Pendant très longtemps j'ai fait à l'instinct. Il s'avère que c'est bien de se servir de son instinct, mais si on pouvait avoir des bases un peu plus sérieuses à ce niveau-là, notamment dans notre métier, ce serait bien. Ça, c'est quelque chose qui manque jusqu'à maintenant chez les maréchaux. Et après, on a appris au fur et à mesure à regarder les chevaux. Celui qui m'a plus appris à regarder les chevaux, c'est Denis. C'est lui qui m'a donné les bases. Et après, bah, on répète, on recommence, on répète et on fait. Et au fur et à mesure, on voit des choses plus fines qu'on voyait pas avant. Et donc, on essaie d'installer, quand les chevaux viennent ici, on essaie d'installer les chevaux dans un petit protocole où on les marche, on les trotte, et ainsi de suite. C'est pas forcément très long, mais ça permet de les mettre dans une mobilité, dans un mouvement où, effectivement, s'il y a quelque chose qui sort du cadre habituel, on est censé le voir tout de suite. Voilà. Donc après, les points de repère, après, nous, on travaille beaucoup sur la conformité, les aplombs, la posture, les formes de pied, voilà, et ainsi de suite. Donc, parce que toi, t'as un double challenge, surtout avec ces chevaux un peu de haut niveau, mais t'as un challenge qui est de gérer les problèmes du pied, qui sont, j'allais dire, des problèmes intrinsèques. Hein, l'aplomb, il est comme ça, la qualité de corne, elle est comme ça, la façon dont ça pousse, elle est comme ça. Puis après, il y a un challenge qui va être au sein d'une équipe avec le cavalier, le vétérinaire. Il faut gérer des problèmes qui sont pas de prime abord intrinsèques au pied, mais qui, à un moment ou un autre, ça reste ce dans quoi le cheval est posé sur le sol. À quel moment tu sais que tu as bien bossé, ou à quel moment tu vas te retrouver challengé dans ce que tu as fait? On sait qu'on a bien bossé quand les choses prennent une bonne tournure. Alors nous, en maréchalerie, c'est un temps long. C'est un truc que les gens comprennent pas toujours. Mais en règle générale, quand on oriente un cheval, en termes de maréchalerie pure, hein, je parle, l'orientation en maréchalerie, c'est entre 6 mois et 1 an, quoi. Donc là, on parle pas d'un ferrage ou c'est pas one shot, quoi. Donc là, déjà, dès le départ, faut être conscient de ça. Et puis après, à la base, ta question, c'était... C'était, du coup, qu'est-ce qui va te challenger? Qu'est-ce qui fait que dans le suivi d'un cheval, tu vas te dire, je suis peut-être pas où je devrais être, ou ça répond pas à la logique que j'ai mis en place, Ça peut arriver souvent, hein. C'est même le meilleur piège qu'il y ait. On part avec des connaissances, on est persuadé de certaines choses, on les applique et puis on s'aperçoit qu'elles ne collent pas. Hein. Il y a mieux que les chevaux pour faire mentir, donc faut toujours rester humble sur cet aspect-là. Après, moi je me réfère vraiment à ce que je vois du cheval au moment, le jour J, quoi. Je m'occupe pas, enfin, je tiens compte de l'historique, l'anamnèse, tout ça, j'en tiens compte, mais je veux dire, j'essaie de comprendre, j'essaie de parler cheval. Ça paraît un peu prétentieux, mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il faut se mettre à leur place, quoi. Et quand je les vois bouger, je regarde comment ils se déplacent, comment ils s'appuient, et je cherche à comprendre comment ils veulent s'appuyer, comment ils veulent se déplacer, pourquoi ils se mobilisent de cette façon. Et une fois que je vois la synthèse, je fais la synthèse de tout ça, je le regroupe avec tous les petits détails qui font que j'ai des phases de compréhension sur certaines choses, les pieds, les aplombs et ainsi de suite. Et après, j'en fais un axe d'attaque, quoi, de travail. Très bien. Alors, dans ces challenges à relever, on sait que, particulièrement si on parle de performance, hein, sur ces chevaux de sport, mais plus généralement si on parle de santé, même de bien-être, on va dire, il y a une équipe autour du cheval où le maréchal et le vétérinaire sont deux pièces maîtresses. Comment tu la vois aujourd'hui, cette relation entre le maréchal et le vétérinaire? Bon, moi, je l'ai toujours vu de façon positive, dans le sens où, pour moi, c'est indissociable. Moi, c'est...
quand on fait des formations avec les jeunes maréchaux, je leur dis, voilà, c'est indissociable. Le veto et le maréchal, c'est deux personnes qui doivent forcément à un moment se croiser et discuter, échanger sur l'approche, quoi, voilà, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc ça, pour moi, c'est essentiel. Voilà. Après, pareil, ça ne vient pas du jour au lendemain non plus. Ça demande de s'investir un peu, de faire des efforts, de communication, et de connaître aussi les besoins, même les modes opératoires, c'est-à-dire la façon dont on... Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les comptes rendus veto, parce que si on rentre un peu dans le détail, ça peut être un peu technique. Si on ne connaît pas très très bien son anatomie, ça peut vite devenir compliqué. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut que les maréchaux se forment pour ça. Mais c'est un élément super important, c'est-à-dire la relation veto-maréchaux, pour répondre à la question de base. C'est un élément, à mon avis, fondateur d'une qualité à long terme. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas faire autrement que d'être aidé par le diagnostic, l'imagerie, même si bien sûr ça ne fait pas tout pour ce qui est de la maréchalerie, mais je veux dire, on fait des soins sur un animal, nous on est spécifiquement au pied, et le vétérinaire, lui, a plus une approche plus globale, quoi. Donc dans un team qui fait de la compétition, ou même sans compétition, si on veut simplement faire des soins corrects, le travail avec le veto, c'est juste primordial. Si on veut bien bosser, c'est primordial. Je sais d'expérience, hein, parce qu'on a l'occasion de suivre assez souvent des chevaux ensemble, donc je sais d'expérience que tu as des relations fructueuses, de bonnes relations avec, de manière générale, avec les vétérinaires. Il y a certains maréchaux pour qui c'est un challenge au quotidien, c'est plus difficile. À ton avis, quelles ont été tes clés pour avoir construit ces bonnes relations? Qu'est-ce qui a fait la différence? Moi, je pense déjà que c'est des relations humaines, tout simplement. C'est qu'il faut aimer croiser les gens et puis accepter d'avoir un avis qui n'est pas forcément le vôtre. Bon, ça, c'est qui sera pas forcément... Ouais, voilà. Et puis à la suite, c'est d'essayer d'échanger sur des discours qui peuvent être un peu différents, qui peuvent être des fois qui veulent dire la même chose, des personnes qui cherchent à dire la même chose, mais par des chemins différents. Ça, c'est assez fréquent. Donc, je pense qu'il faut surtout pas se bloquer, quoi. Il faut surtout pas se bloquer parce qu'on reçoit une prescription ou on comprend pas grand-chose. Au contraire, il faut en profiter pour rebondir sur le fait d'aller chercher plus loin au niveau du relationnel, et puis surtout de comprendre ce que le veto a voulu prescrire ou à quoi il pense quand il demande à faire tel type d'application. Voilà. Donc ça, cet élément-là, c'est un élément super important. En tout cas, cette relation est bonifie le travail, ça c'est sûr. Pareil, ça c'est un coefficient multiplicateur de qualité vis-à-vis du cheval, ça c'est sûr, c'est indéniable. Et du coup, quel conseil tu donnerais à un jeune maréchal qui s'installe aujourd'hui? Je leur dirais de continuer à observer leurs chevaux, de ne pas hésiter à contacter le veto quand ils reçoivent des comptes rendus ou des choses qui leur paraissent pas très claires, et même de les contacter quand ça leur semble clair. Ça peut être juste sympa d'appeler en disant « bah oui, j'ai vu ta prescription, elle est sympa, ah oui, tiens, j'avais pas pensé à faire ça ». Parce que voilà, on n'a pas non plus la science infuse. Et puis encore une fois, il y a un aspect global quand même dans l'aspect au niveau cheval, quoi. Je veux dire, nous, on est vraiment concentrés sur le pied. La plupart des maréchaux sont très concentrés sur les pieds, les aplombs. Mais cet aspect global, il est très important à prendre en compte en même temps. Si on le met dans une globalité, cette maréchalerie. Donc c'est forcément une réflexion d'ensemble. Ça peut, et avec un autre intervenant. Donc voilà, de par le positionnement, on est obligé d'aller chercher de l'info, de la confirmation, ou même des fois pour dire simplement qu'on n'est pas d'accord. Ça peut être le cas aussi. On n'est pas obligé d'aller toujours dans le sens de ce qu'on nous propose. Hein. Ça peut très bien arriver, ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais même si c'est pas très agréable sur le coup, ça peut être aussi constructeur d'une relation plus saine, par exemple. Hein, quand vous dites non, des fois, il vaut mieux un bon non qu'un mauvais oui. Quoi. Donc, oui. C'est... Un oui, mais. Voilà, par exemple. C'est ça. Mais et du coup, toi qui côtoies beaucoup de vétérinaires, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Quel conseil tu donnerais à l'inverse à un jeune vétérinaire qui s'installe? Bah, un petit peu comme j'avais dit à un moment quand on avait fait le Vet Masterclass ensemble, où on avait discuté de maréchalerie.
Je dirais, il faut pas chercher à imposer les choses, tout simplement parce que en règle générale, ce sera mal perçu vis-à-vis des maréchaux. C'est-à-dire que même si voilà, il y a une approche, encore une fois, le vétérinaire est là pour la santé de l'animal dans sa globalité, mais il y a un moment, je pense qu'il vaut mieux que le véto parle de pathologie et de symptômes et de traitements et de molécules et de tout ce que l'on veut. Mais dès qu'ils se mettent à parler plus clairement de maréchalerie ou de matériaux ou de type de fer ou de choses compliquées en termes de ferrure, je pense qu'il vaut mieux parler d'effets mécaniques que de fer, par exemple. Encore une fois, tout est discutable, mais je veux dire, cet aspect-là, je pense pour les vétos, c'est très important. Parce que moi, je forme beaucoup de... Bah, j'ai la chance de former pas mal de maréchaux qui viennent en interne sur des petits groupes et qui me rapportent souvent ça. Ils ont souvent ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils se sentent agressés par des prescriptions qui sont, à la base, sans doute pas faites pour ça. Mais eux, ils les reçoivent comme ça. Ouais, il y a sûrement un bénéfice à partager du temps ensemble déjà pour améliorer, au-delà de la connaissance purement technique pathologique, la connaissance du métier de l'autre en fait. Oui, bien sûr, il y a une notion de compréhension entre deux professions qui ne sont pas du tout câblées de la même façon. Ouais. Bon, pour être clair, bon, nous on le sait, mais c'est vrai que les maréchaux sont des intuitifs, avec une connaissance un peu empirique, des connaissances scientifiques qui restent, même si elles se sont améliorées, elles sont quand même limitées, et des hommes de terrain, à qui réfèrent pas grand-chose, qui ont des protocoles qui sont... Enfin, qui sont pas des protocoles d'ailleurs, qui voilà, sont des artisans qui travaillent tout seuls, c'est pas des super grands communicants, les maréchaux, des fois, même si, encore une fois, globalement, il peut toujours y avoir des as de la communication dans le lot, mais c'est vrai que c'est, bon, c'est pas toujours évident, quoi. Et cet aspect-là, c'est un aspect important, c'est-à-dire de faire l'effort du rapport humain, même si, au bout du compte, c'est même pas un effort, mais je veux dire, ça a vraiment un intérêt, quoi. Mais comme on l'évoquait dans une conférence une fois, en rapportant les propos d'un vétérinaire anglais qui disait les maréchaux plutôt cerveau droit, intuitif, la réalisation manuelle, etc. Et le vétérinaire plus cerveau gauche, plus peut-être plus facilement analytique, pas Voilà, tomber dans la scientifique, caricature non analytique. plus, Oui, mais mais c'est en même vrai, c'est temps, vrai. on peut y voir aussi une complémentarité qui permettra de, en associant les raisonnements, d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la réalité, c'est quand on arrive à croiser ces deux axes-là, ça peut être très puissant. C'est sûr. Mais encore faut-il vouloir le faire et puis. Et toi, il y a des quels sont dans ce parcours, donc on a bien compris, qui est justement, enfin, ça illustre peut-être aussi la façon dont un maréchal va appréhender les choses plus au travers de son expérience pratique, alors que un vétérinaire va plus aller chercher de la connaissance analytique pour analyser la situation. Donc on a bien compris la façon dont toi tu avais progressé finalement par l'expérience et la multiplicité des rencontres. Est-ce qu'il y a eu des vétérinaires qui ont été particulièrement importants dans ce système-là, qui t'ont justement apporté un contrepoint de vue assez fort pour que tu dépasses le tien et puis que tu progresses? Bah, j'en ai croisé. Alors nous, il y a les vétos avec qui on a bossé régulièrement, les cliniques avec qui on travaille régulièrement, puis il y a les vétérinaires qu'on croise fréquemment, et on a quand même beaucoup. Finalement, on croise beaucoup de vétos. Au tout début de ma carrière, quand je me suis installé, j'ai pas mal travaillé avec Christian Bussy, qui est au Mans, qui est plus connu comme un chirurgien, mais voilà, c'est quelqu'un de chouette, quoi, avec qui on a avancé dans la technique tous les deux. On a travaillé plus de 20 ans ensemble. Alors c'était pas toujours très très régulier, mais je veux dire, voilà, c'est des gens qui ont amené les choses parce que finalement il y a un suivi, quoi, il y a une continuité. Et c'est ça qui fait l'efficacité du truc, finalement, je trouve. Dans le rapport qu'on a avec les vétos, je pense que c'est ça qui est intéressant. Dans C'est le, cette notion de tu nous as dit que confiance. Denis Le Veillard était quelqu'un d'important, parce que quand on, nous, vu de ma fenêtre, quand on pense Denis Le Veillard, on pense, si on doit penser à un tandem maréchaux-véton, on pense Francis Desbrosses. Ouais, c'est Et vrai. j'ai l'impression, pour les avoir vus échanger en direct et tout, qu'ils se sont beaucoup apportés. Toi, tu avais fréquenté Francis Desbrosses au travers de Denis Le Veillard au Je début de ta carrière ou... l'ai croisé un peu, je l'avais croisé avec Denis, j'avais bien aimé aller là-bas, j'ai croisé
son associé, M. Perrin, j'avais, oui, on l'avait vu, on en croisait beaucoup. Alors, Francis Desbrosses, c'est un peu une figure dans le, enfin, on le sait, c'est quelqu'un de ouais, c'est une belle personnalité, et puis, techniquement, il a apporté beaucoup aussi. Donc après, je dirais, dans les gens, finalement, dans les vétos que j'ai croisés, j'en ai croisé aussi à l'étranger. Donc voilà, après, chaque spécialité, les vétos ont aussi leur spécialité. Ils ont des gens qui sont plus branchés sur leur taux, d'autres plus sur. Et ils ont aussi des habitudes, ils ont des types de clientèle. Des gens qui sont plus axés chevaux de course, d'autres plus chevaux de selle. Nous, on est quand même dans une région sur l'ouest. Certes, Mayenne, il y a quand même beaucoup de chevaux de course. Donc, sachant que moi, personnellement, je n'en fais pas. Voilà. Donc, déjà, ça draine pas mal de choses. Mais voilà, on a des jeunes vétos comme Julien Varette qui est en Normandie, avec qui on croise fréquemment. Bon, nous, on a eu l'occasion de travailler tous les deux. C'était un super grand plaisir de bosser avec toi parce que, voilà, c'était, on s'entendait bien, mais même techniquement, on a réussi à faire des choses intéressantes. Donc, tout cet aspect-là, moi, ça me plaît bien. J'ai pas de. Globalement, à partir du moment où la jonction se fait au niveau de la. Des acquisitions, des compétences, je pense que le couple peut se former assez vite, quoi. Voilà, là, je sais pas comment expliquer ça. Là. Connexion. Notre tandem a dû avoir une certaine publicité parce que j'ai croisé quelqu'un en Vendée qui m'a dit ah oui, j'aimerais bien que vous regardiez mon cheval avec le maréchal coronavirus. Bah, c'est bien, ouais, c'est bon, c'est bien. Et du coup, et dans tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à ACR? Tu t'es levé un matin, tu t'es dit bon sang, mais c'est bien sûr, et t'as acheté 2 tonnes d'alu ou... Ah ouais, c'est ça, bah, c'est toujours un peu la même chose. C'est né d'un besoin, parce que à cette époque-là, j'allais beaucoup sur une clinique en Mayenne, là, une grosse clinique à Ménédumène, où je faisais beaucoup de poulains. Et à cette époque-là, il n'y avait pas trop de collage, il n'y avait pas trop de. Il y avait déjà un peu de chaussons, mais c'était pas. Voilà, on n'en posait pas tant que ça. Et résultat, je forgeais beaucoup de fer. Et à un moment, j'avais quand même beaucoup de fer à forger pour la clinique, enfin pour les cliniques, parce que c'était pas la seule clinique pour qui je travaillais. Et j'avais 3 cliniques où je travaillais régulièrement. Et je me suis retrouvé avec une demande, un besoin de forger des fers spécifiques, des fers spéciaux. C'était très important, ça prenait beaucoup de temps, et puis surtout, ça fait mal au bras, quoi. Enfin, ça finit par faire mal au bras. Donc, j'ai croisé un client qui avait une usine, qui fabriquait, qui travaillait des matières qui m'intéressaient, notamment l'aluminium. Et on a démarré comme ça. On a discuté ensemble, j'ai fait un poulain, il m'a dit, bah, ça, je pourrais vous le faire. Je lui ai dit, ok, pourquoi pas. Et puis, ça a démarré gentiment là-dessus. Et puis j'ai dessiné des fers, un fer, 2 fers, 3 fers. Et puis, donc ça fait un petit bout de temps déjà. Ça remonte à 98, je pense. Et donc, au fur et à mesure, de fil en aiguille, bah, cette personne-là elle est partie à la retraite. Moi, j'ai continué à dessiner mes fers. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé au Mans. On a fabriqué un peu, nous. Ici, après, on a trouvé un terrain. On a construit... société ici. Et voilà comment on se retrouve à vendre des fers, notamment à l'international, beaucoup finalement. Parce que ça rejoint finalement le cursus concours de maréchalerie à l'international. Parce que les gens que vous croisiez en concours, ces gens-là, ils sont comme vous, ils ont vieilli, et puis ils se retrouvent sur d'autres strates du milieu de la maréchalerie, de la revente, de la formation. Et à ce moment-là, après, derrière, ils vous invitent à venir faire des interventions dans les universités, dans les écoles de maréchalerie, sur des lieux. Donc, on se retrouve à faire des démonstrations en Floride, à Mexico. Alors, pas partout dans le monde entier, hein, mais bon. Parce qu'aujourd'hui, voyager assez comme ça. La clientèle d'ACR, elle est où? C'est quand même beaucoup la France ou c'est... Alors, ça, nous, l'export, ça représente 65%, ça dépend des années, mais 65-70% d'export. Et le reste, c'est le marché français, donc. Donc c'est un gros marché, la France, pour nous. Et c'est un marché intéressant parce que c'est un marché qui a toutes les disciplines et qui est quand même assez à la pointe. C'est-à-dire quand on fait un focus un peu large, on voit que les Français sont assez performants globalement dans le milieu du cheval.
que ce soit chevaux de course ou chevaux des disciplines olympiques ou même l'endurance, on a une qualité équestre quand même bonne. Je pense que de ce point de vue-là, il me semble que le tandem Francis Desbrosses et Jean-Marie Denoy, qui ont été quand même deux locomotives de l'orthopédie au sens le plus large, c'est-à-dire tant le diagnostic, le fait de se passionner pour la locomotion, mais sont deux personnes qui ont placé très très haut on va dire, les objectifs de la partie maréchalerie. Et à mon avis, au travers de ça, je pense qu'on a tous des progrès à faire, mais je pense qu'en France, en imagerie et en maréchalerie, on a quand même une base qui est bonne. Hein. Et ouais. Toi qui vas à l'étranger, c'est l'impression que ça me donne quand on va à l'étranger. On se dit, il reste de la route à faire, mais il y a de la route de faite. Ouais, ouais, ça c'est vrai que moi j'ai commencé la maréchalerie en 86. Donc ce chemin entre guillemets avec toutes ces formations, notamment au CIRAL, mais à cette époque-là c'était Maison Alfort, donc on a eu la chance d'y aller quand même un paquet de fois, suivre des conférences de Jean-Marie ou même de d'autres intervenants. Et ça a bien fait avancer la maréchalerie, ça c'est sûr, parce que c'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui l'a tiré vers le haut en termes de connaissances et surtout en termes de connaissances en biomécanique. C'est certainement, voilà, enfin en tout cas à mes yeux, à moi, c'est la personne la plus capée là-dessus, quoi. Après, ça fait, quand on va à l'étranger, on s'aperçoit que là-dessus, on a quand même bien travaillé, voilà. Qu'est-ce qui a changé dans la façon d'aborder la maréchalerie en 30 ans? Il y a des choses qui ont bien changé sur la technique, parce que les matériaux sont pas... Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a toute une base qui reste la même. Finalement, la base de la maréchalerie, elle est c'est du parage et du cintrage d'acier qu'on va poser sur le pied d'un cheval. En gros, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est vraiment les basiques. Et puis après, en termes d'orthopédie, maintenant, on a tout un tas de produits, de matériaux qui permettent de faire des choses qu'on pouvait pas faire il y a 25 ans, quoi. Donc ça a bien évolué, notamment sur l'orthopédie du poulain, par exemple, auquel je pense surtout, parce que à une époque, quand il n'y avait pas vraiment de colle pour de la résine pour faire des pieds artificiels au poulain, on faisait tout clouer, on faisait tout brocher. Donc sur les tout petits pieds, c'était quand même super compliqué, super galère. Ouais, c'était vraiment difficile, quoi. J'ai l'impression qu'on a quand même des solutions qui sont globalement moins lourdes, plus confortables et moins contraignantes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai souvenir de prescriptions quand j'étais étudiant, de faire en fonte, compenser, qui étaient des trucs qui ne devaient pas être agréables à porter. Hein. Oui, il y avait des choses très très lourdes. Même nous, en école de maréchalerie, quand on commençait dans les sections extrêmement lourdes. L'école dans laquelle j'ai commencé en Belgique, on faisait tout à deux marteaux, par exemple. Bon, ça ne parle pas au veto, mais ça veut dire que vous êtes en train de forger, puis vous avez quelqu'un qui a une masse en face de vous, puis qui tape sur votre bout de fer, en gros. Donc c'est pour vous dire la finesse du truc. Mmh. Donc à la base, c'est quand même un métier physique où on demande à travailler la matière, à moduler les formes. Mais ça s'affine, quoi. Avec les années, ça s'est largement affiné, ouais, bien sûr. Alors toi, donc, tu as une entreprise qui te permet d'avoir tous les fers dont tu rêves sous la main. Tu gardes encore du plaisir au travail de forge ou... Oui, ouais, je garde du plaisir au travail de forge parce que ça reste... c'est mon ADN, c'est de ça que j'ai... C'est par là que j'ai commencé, donc forcément. Après, le côté un peu, le paramètre qui est réducteur, c'est le physique. C'est quand vous commencez à avoir mal au bras, mal partout, vous le voyez pas de parler de la même façon. Quoi. La maréchalerie, c'est la même chose. Hein. Là, on parle juste de forge, mais la maréchalerie, en vieillissant, elle vous apprend bien les parties de votre corps. Quoi. Donc, on s'adapte, on fait avec. Mais c'est toujours un plaisir, la forge c'est toujours un plaisir. Puis moi ça me sert aussi de un petit peu de laboratoire, hein. Quand on fait des nouveaux modèles, on fait pas tout par ordi, hein. Ça arrive des fois de faire, ça m'est arrivé de faire des modèles, on a sorti des fers pour le marché allemand par exemple, avec des formes pour des formes spécifiques, je les ai d'abord forgés. Parce que la notion de la courbe, c'est quelque chose en dessin c'est relativement compliqué, il faut vraiment bien dessiner pour... créer des nuances de courbe, c'est relativement c'est subtil, quoi.
Il y a la force, comme c'est notre mode d'expression de base, il est vite possible de revenir à ça. Ouais. Alors, si on parle de ta troisième casquette, qu'est-ce que tu peux nous dire d'Hypotypose? Comment c'est né Hypotypose? Hippo, c'est né pareil d'un c'est né d'un besoin dans justement dans le sens entre la communication avec les vétos, les propriétaires et surtout le suivi. Parce que finalement, ce qui est le plus compliqué en termes de communication, c'est pas l'appel qu'on va passer au véto, c'est de savoir réellement ce qui s'est passé les 2 ans avant, combien de fois il a été vu, pourquoi il a été vu, quels sont ses pathos, ses performances sportives, quand est-ce qu'il allait bien, quand est-ce qu'il allait mal. Et au bout du compte, si on fait un suivi un peu longitudinal, on s'aperçoit que c'est super important. Et surtout le fait de se dire que les chevaux se suivent pas, c'est pas une pathologie plus un autre jour avec une autre pathologie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est vraiment un suivi global, quoi. C'est cette envie-là, moi. Le fait d'être plus précis là-dessus qui m'intéressait. Enfin, en tout cas pour la maréchalerie. Après, les vétos sont peut-être un peu plus organisés, certainement d'ailleurs, mais pour ce qui est des maréchaux. C'est ce que je leur dis toujours, vous faites du live, quoi. Tous les jours, vous partez, vous allez faire un concert. Il y a des jours, on est bon, puis il y a des jours, on est moins bon, quoi. Donc, il y a un moment, il faut quand même se structurer, puis s'aider. S'aider dans sa mise en œuvre, quoi. Et pour ça, il faut des outils. Et nous, des outils, à part les marteaux, on n'a pas grand-chose, quoi. Donc, Je me souviens, il y a 20 ans, un jour, tu étais venu me voir avec un ordonnancier, avec ouais. des croquis, etc., qui était un peu. Donc, Ouais. finalement, Hypotypose, c'est l'enfant de cet ordonnancier, c'est l'enfant numérique de cet ordonnancier. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça, au début, le nom, c'était ordonnancier. C'était pas super moderne. Après, on m'a dit, ouais, faut que tu trouves un nom plus. Et puis, alors, le nom, j'ai trouvé pas extraordinaire, mais bon, voilà, disons que c'est ça, ouais, c'est ça. C'est la suite. En gros, j'avais fait un truc sur papier, tout ça. J'avais réfléchi un peu à ça avec des vétos, en croisant les vétos, en leur posant des questions, en essayant d'avoir des. Et puis, au bout du compte. En version numérique, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus intéressant, quoi. Donc ça en est venu là, ouais. Et donc aujourd'hui, avec tes trois entreprises, tu es un chef d'entreprise comblé, un professionnel comblé. Oui, comblé. Oui, je suis content dans le sens où je suis content de le faire. Voilà, je prends plaisir à faire ces choses-là. Comblé, après, comblé, ça veut dire qu'on est content de notre résultat. Et moi, il y a des choses où j'ai pas encore le résultat que j'espérais. Donc, pas complètement comblé. En partie. En partie. Non, non, je suis content, ça me plaît. Ouais. Ouais, ça me plaît. Ouais, toujours du plaisir à travailler. Et comment tu organises tes différentes casquettes? Donc en fait, c'est lundi, c'est maréchalerie, mardi, c'est ACR, Alors, mercredi, ça c'est peut être problématique. Hypotypose. Ouais. Ouais, ça peut être compliqué parce que, déjà, nous, on n'a pas été formés pour ça. Enfin, en tout cas, pas moi. Donc, j'ai la chance d'avoir aussi un associé en maréchalerie, des salariés qui me suivent, des collaborateurs qui ont confiance à ce que je leur apporte. Voilà, une épouse qui me suit et qui fait l'effort de supporter tout ça. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Disons que je suis pas tout seul, quoi. Honnêtement, je pense que pour pouvoir assumer correctement la chose pleinement, il faut surtout être entouré. Faut surtout pas croire qu'on peut tout faire tout seul, parce que alors là, en tout cas, moi, dans mon cas à moi, c'est juste pas possible. Mais voilà, une fois qu'on a une équipe avec soi et qu'on communique bien entre nous, qu'on essaie de. Voilà, qu'on respecte chacun dans son fonctionnement. Et qu'on comprend globalement la stratégie qui est mise en place. Hein. Parce qu'en Alors, en entreprise, fait, même si petit soit-elle, il y a forcément une philosophie derrière avec une stratégie. Plus ou moins affûté, mais. on va dire, si je lis entre les lignes de ce que tu me dis, y a pas, t'as pas un fonctionnement très structuré autour de ça. Toi, tu définis tes grandes stratégies et puis après, tu es un peu opportuniste du temps en fonction des priorités de chaque boîte. Ouais, c'est-à-dire que j'essaie de cadrer, hein, j'essaie de donner du cadre aux choses et tout, mais déjà, je suis pas construit comme ça. Voilà. Et puis, à côté de ça. C'est ça, l'opportunité, c'est surtout de trouver les bons talents au bon endroit. Je pense que ça, c'est un truc primordial. C'est vraiment de trouver les bonnes personnes pour la bonne place. Pas toujours facile, mais
Quand on, quand Savoir, on... ouais, faire une, avoir une bonne équipe, savoir s'entourer, on va dire. Ouais, c'est super important. Ouais, ça, c'est très important. Et cet aspect, parce que donc du coup savoir s'entourer, c'est aussi savoir manager. Ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne, qui... Alors, c'est un des trucs les plus difficiles, mais c'est aussi un des trucs les plus passionnants. Ouais. Ça, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant parce que ça fait appel à pas mal de choses. Et puis surtout, ça touche l'humain. C'est-à-dire que c'est, on est tout de suite dans l'humain, quoi. On est tout de suite dans le rapport sensible. Alors ça, c'est bon et c'est mauvais côté. Mais ça peut sortir du très bon comme du moins bon. Et de ce fait-là, c'est le truc est sensible. C'est une corde sensible. Mais c'est comme ça qu'on arrive à sortir la qualité des gens, quoi. Là, on a sorti un nouvel outil il n'y a pas longtemps. On apprend à travailler là-dessus. C'est un projet qu'on a repris un copain maréchal. On a racheté ce projet. On l'a remis en route. C'est de l'artisanat pur, hein. C'est un outil qui est fait à la main. Et là, en interne, on est tombé sur quelqu'un qui travaille bien, qui fait des belles choses, qui fait c'est beau ce qu'il fait. Voilà, c'est. Et donc, lui, se plaît à faire ça. Donc, résultat, on bonifie la situation parce qu'on a su matcher les bonnes personnes avec la bonne demande, enfin, avec la demande, quoi. Ouais, super. Et ça, je pense que c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué. Mais bon, c'est vrai pour toutes les entreprises. Et alors cet aspect un peu management, enfin tout ce côté de l'entreprise que, voilà, je crois qu'on soit veto maréchal, on fait partie des métiers auxquels on n'apprend pas ça, hein, Non. gérer, manager, Non, ça, on n'apprend recruter, pas. tout ça. Non. Là aussi, tu t'es formé sur le tas ou t'as beaucoup lu ou t'as fait des formations spécifiques Alors, bon, on se forme les trois. On se forme sur le tas, ça, c'est sûr. J'ai fait quelques formations. Je me suis fait suivre même déjà parce qu'avant de vouloir organiser les choses pour les gens, la première chose que j'ai fait, j'ai suivi une formation pour m'organiser moi. Voilà. Donc je me suis fait suivre par un coach là-dessus avant parce que j'étais une catastrophe. Alors je suis peut-être pas bon, voilà, peut-être pas fortement progressé, mais disons que voilà, il y a des paramètres sur lesquels voilà, que je maîtrise un peu mieux. Et puis au fur et à mesure, j'ai essayé d'appliquer ces choses-là aux gens. Et j'ai la particularité, moi, de faire venir des consultants extérieurs quand j'ai besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin de quelqu'un qui veut me former. Je veux former des salariés sur l'aspect commercial. Je fais venir quelqu'un. Je veux former même les maréchaux ont des formations. Je veux qu'ils fassent attention sur la route. Je les forme, je les emmène sur circuit. Ils ont des cours de pilotage. Voilà. Ça peut être l'œnologie. On a déjà été suivre des formations avec Sébastien Jolin sur l'œnologie. Donc tout cet aspect-là, je pense que c'est très important, c'est de partir du principe que la qualité ne vient pas forcément que de l'intérieur, loin de là. Alors la formation, c'est quelque chose qui me parle toujours, nous, chez Vet Masterclass, mais en fait, quand tu formes tes salariés, au-delà de ce qu'ils apprennent techniquement, c'est quelque chose qui crée un lien différent avec l'entreprise aussi. Repose-moi la question, excuse-moi, de temps en temps je décroche. Non, je disais, l'aspect formation, c'est quelque chose qui nous parle chez Vet Masterclass. Oui. Et quand tu formes, tu parles beaucoup de formations très diverses pour tes salariés, commercial, pilotage, etc. Finalement, quand tu leur apportes cette opportunité de formation, ça va au-delà de ce qu'ils vont apprendre. C'est-à-dire conduire une voiture, je pense que ça crée un lien différent entre l'employeur, on va dire, et Bah, puis c'est les... évident. Bah, c'est l'intérêt du truc. C'est la quintessence du truc, c'est ça. C'est le rapport que tu as avec l'humain. Parce que c'est l'humain qui fait la diff. La différence, c'est la qualité de l'humain. Et si tu arrives à venir titiller ce truc-là, et que ça arrive à se transformer en action, ça bonifie la situation, quoi. Bah, c'est extra. Et dans le rapport, d'avoir une bonne équipe qui travaille bien dans le bon sens, et d'arriver à faire grandir un peu les gens sur leur technique, et même sur l'aspect philosophique, sans aller jusque-là, parce que c'est pas notre rôle d'employeur. C'est pas notre rôle d'employeur. Mais moi, ça m'arrive de partir référer à l'étranger. Des fois, je parle plus longtemps avec mon gars avec qui je pars que je ne faire. Donc, le rapport humain, il est super important. Parce qu'il sait, quand on va passer 4 heures de route ensemble à revenir de l'étranger, 2 heures de Paris, bah, on va pouvoir échanger de façon sereine pendant 2 heures, tranquillement. Puis moi, je vais pouvoir lui apporter ce qui me semble important. Mais en finesse. Et ce qu'on n'a pas dans le rendement, dans le quotidien, quand on a la tête dans le guidon tout le temps, on l'a pas. Et ces temps un petit peu, c'est pas des temps d'arrêt, mais c'est des temps un petit peu à part. Dans l'entreprise, pour moi, ils sont fondamentaux. Et quel que soit le salarié.
Je pense. Après, moi, c'est ma façon de manager. Maintenant, peut-être que c'est aussi du ressenti. Hein. C'est plus. C'est comme ça que je fais. C'est pas très structuré, mais voilà, quand je le sens, je fais. Ouais. En tant qu'entrepreneur, t'es du genre encore sur tes dossiers à 23h et pareil les week-ends, ou t'es arrivé à un équilibre qui te satisfait, on va dire, entre ta vie privée et puis ta vie d'entrepreneur multicasquette? Alors, pour être honnête, j'ai fait ça pendant 25 ans. Je me suis séparé. Voilà, ça m'a valu des. Ça m'a valu des situations familiales, voilà, un peu compliquées. Et maintenant, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je suis capable de passer beaucoup de temps à travailler. J'ai beaucoup, beaucoup dessiné la nuit, par exemple, pour mes faire pendant 10 ans. Ça m'a valu un peu du retour, mais. Enfin, du retour. Des mauvais retours, on va dire, d'un point de vue familial, mais je dessinais tout la nuit, parce que c'était des temps calmes, c'était des temps à part. Parce que, comme on disait tout à l'heure, quand on est dans le vent, là, quand on est dans la course, on ne voit pas. Il faut avoir du recul pour voir et pour être... Donc ça, c'était important. Et maintenant, je le suis moins. Avec le temps, j'essaie de monter en qualité le temps que je passe en entreprise ou au travail. Et j'essaie qu'il débarque pas trop non plus sur mon, entre guillemets, sur ce qui est vital à mon temps personnel. Sachant que moi, j'ai pas de grosses frontières entre les deux chez moi. Donc, ça peut vite switcher. Un temps calme peut vite switcher sur le travail. Si à un moment, je pense à un truc, ça me prend, je prends l'ordi et je pars 2 heures sur un truc. Mais voilà, je suis pas. Encore une fois, je suis pas super structuré. Et qu'est-ce que tu aimes bien faire quand t'es pas dans tes entreprises? J'aime bien croiser les gens, ça c'est sûr. J'aime bien croiser les amis, des gens que je connais pas, ça j'aime bien. J'aime bien lire les trucs un peu, voilà, j'aime bien lire, ça me plaît bien. J'aime bien le sport, mais je suis pas un grand sportif. Je cours, je fais des trucs, voilà, j'essaie de me maintenir. Ça m'aurait plu d'être bon sportivement parlant. Mais je n'ai jamais. Soit c'était pas le moment, soit j'ai pas eu le temps, soit je sais pas. Bon, ça n'a jamais marché. Mais je suis très admiratif des grands sportifs. Ouais, je trouve ça chouette. C'est sympa. Et puis après, voilà, des temps calmes. Ça m'arrive aussi d'essayer de chercher des temps calmes. Période où je voyage beaucoup, j'essaie de trouver du temps où je voyage plus, je bouge plus, je fais des choses très simples. Enfin, j'essaie vraiment de prendre du temps calme, quoi. Alors, tu aimes bien lire. Est-ce qu'il y a 2-3 ouvrages ou 2-3 livres que tu as rencontrés dans ta vie qui sont fondateurs, on va dire, des livres que tu aurais envie de conseiller, de te dire celui-là, il faudrait que tout le monde l'ait lu, on va dire. Ouais, bon, forcément, il y en a. Bon, je me souviens pas de tous les titres. Après, moi, je lis pas de romans, je lis pas de choses comme ça. Je lis des choses assez concrètes. Moi. Je prends un sujet et je lis. J'essaie de lire plusieurs bouquins sur le sujet, mais. Donc, du coup, c'est des livres. Il y a deux gars que j'aime bien que j'ai lus. Un qui est un scientifique aventurier, c'est Bertrand Piccard, que je trouve exceptionnel. Et puis Jean-Louis Etienne, que tout le monde connaît bien. Donc, ça, c'est deux personnes. Jean-Louis Etienne avait sorti un livre qui s'appelait Persévérer, qui est une traversée du pôle Nord, je crois, l'Antarctique, je sais plus quoi. Enfin, bref. C'était super intéressant. Et puis, j'aime bien ces profils un peu atypiques qui mélangent à la fois le côté un peu hors norme, côté aventurier, et en même temps le côté scientifique, que je trouve ça fascinant, parce que je trouve que, à mon avis, les deux ne doivent pas être faciles à faire. Enfin, c'est deux choses qui sont certainement dans ces situations-là extrêmement complémentaires. Mais c'est Jean-Louis Etienne qui était médecin. Ouais. Et qui est, en fait s'est trouvé avoir l'opportunité de faire son service militaire sur peine du X6. Ouais. Et puis c'était le début d'un switch de vie. C'est incroyable. Il n'aurait jamais imaginé, quoi. Et Bertrand Piccard, il a écrit un livre qui est un petit livre, enfin qui est pas énorme, qui s'appelle c'est Changer d'altitude, je crois. Et ça, c'est un petit livre qui m'a bien botté. J'aime bien, c'est l'esprit que j'aime bien, c'est l'état d'esprit que j'aime bien. Moi, je suis pas un grand littéraire, tu lis des livres concrets, comme tu dis, mais dans lesquels tu vas chercher de l'inspiration. Ouais.
Ouais, j'aime bien. Là, j'ai lu un bouquin sur l'ex-patron du raid que je viens juste de finir. C'est super intéressant de voir la préparation, la technicité, la veille de ces gens-là, l'état d'esprit, la philosophie. Ouais, ça fait relativiser nos enjeux. Oui, ça, c'est clair. Ouais, C'est c'est sûr. clair. Ouais. Et alors, si tu n'avais pas été maréchal, qu'est-ce que tu crois que tu aurais. Où est-ce que tu aurais pu te plaire? Bah, j'aurais bien aimé. Quand j'étais gosse, ce qui me plaisait, moi, c'était les métiers manuels, un peu souffleur de verre. Ça me plaisait bien, par exemple. Bon, pas très original, mais c'est ce côté matière, quoi. Ça, c'est ce côté matière, ça m'a toujours attiré. J'avais trouvé ça chouette. Après, l'équitation, c'est ouais, c'est le cheval qui m'a attiré. Après, le métier en lui-même. C'est les deux, c'est la matière et le cheval qui m'ont attiré après. Bon, qu'est-ce que le mot de la fin, est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose? Non, je souhaite longue vie à ma masterclass. Je... Non, parce que je trouve le concept sympa. L'équipe est chouette, c'est moderne. Je trouve ça. C'est une bonne idée à la base, qui est certainement bien exploité. Il y a encore plein de choses à faire, je suis sûr. Et non, non, je suis très content de vous avoir croisé sur mon chemin. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci de cette conversation, Merci à auquel vous. j'ai pris beaucoup de plaisir. On pourrait continuer à parler, peut-être qu'on trouvera d'autres sujets pour allonger la discussion. Et puis, merci aussi, je pense, de toi aussi, de l'inspiration que tu donnes au maréchaux, mais aussi au veto. Donc, un grand merci, Antoine. Eh bien, merci à vous. Ciao. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que cet épisode du Veto du mois vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Avant de vous quitter, je vous invite à retrouver dans la description de cet épisode une petite bio de notre invité et les éventuelles références faites dans l'épisode. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions, proposer des invités, partager des réflexions, eh bien n'hésitez pas. Vous avez les liens toujours dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Encore mille merci de nous écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, continuez à vivre votre métier avec passion.